Hey, bonjour, je suis Srasia Osrar. Parlons de certains livres. Livre de coloriage. J'ai pensé à toi, Dark Gregol. J'ai pensé à toi. Alors, je dis ça parce que j'ai Dark Gregol qui m'a parlé d'un certain. Que j'ai montré d'un certain livre qui s'appelle Les Pentacles Mandala à colorier. Voilà. Je vais en parler un peu. Je vais juste faire une petite intro un peu plus longue parce que je vais expliquer quelque chose. J'ai craqué. On craque, hein. On craque tous un peu. Hein. J'ai craqué. En ce moment, je me dis, la vie est trop courte, faut craquer. Voilà. Et donc, je me suis fait plaisir avec des copies que Xiao. Ciao. Si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, je vais vous en faire une de toute manière, mais je vais vous en parler. J'ai craqué un peu le compte en banque, hein, mais bon. J'ai la possibilité. Donc, dans ces livres-là, vous allez voir des tests. Hein, c'est des tests de couleurs. Certains ne sont pas finis, d'autres sont finis. J'en ai certains. La plupart de ceux que je vais vous montrer, il me semble, c'est au feutre à colle. Il faut préciser que le feutre à colle, ça coule derrière. Voilà. Donc, c'est des tests. Ne faites pas forcément attention. Il y en a certains que je vais rectifier. C'est juste pour vous parler un peu de ces livres-là. Et pour. Et parce que je voulais déjà vous les présenter un petit peu et vous parler un petit peu de comment je m'en sers. Mais après, ne faites pas forcément attention à commencer. Je fais des tests. Ok, certains ne sont pas finis, etc. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu. Il faut savoir aussi une autre chose que je voulais vous dire, c'est que je voulais un peu l'expliquer parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'explique un peu pour ma chaîne YouTube. La dernière, il me semble, The Last Video. Je voudrais aussi un peu réajuster ma chaîne YouTube et me permettre de parler français, anglais, d'accord? Donc anglais avec des sous-titres ou en anglais très facile, parce que I'm not a good speaker English. Really, I am not, but I try, alone. Donc vous risquez d'avoir quelques surprises à des moments ou d'avoir quelques vidéos en anglais. Je vais mettre des subtitles, des sous-titres, pour ceux d'ailleurs qui sauraient pourquoi je dis subtitles, sous-titres. En dessous, là, dans les commentaires, mettez-moi lol subtitle. D'accord? Dans les commentaires. Ou même dans l'autre vidéo en anglais, vous pouvez me mettre lol subtitle. I understand. Je comprendrai. Voilà. Je veux un peu faire quelques modifications et aller au gré de mes intérêts spécifiques. Voilà. Maintenant, sans plus attendre, parce que je pense à quelqu'un. Grégole, I think it's for you. Je pense que c'est pour toi. On va commencer par celui qui lui plaisait le plus. Mais reste jusqu'au bout, s'il te plaît, Grégole, parce que j'en ai d'autres. Cours. Et, sorry for my English, but I want to try. J'ai mon français, j'ai mon anglais. C'est comme ça en ce moment. Alors, mes mandalas pentacles à colorier. C'est des éditions Rustica. D'accord? C'en est un que j'ai voulu vraiment avoir. Voilà. Il est super beau et il est à 12,95 €. Je pense qu'on peut le trouver. J'avais déjà vu sur Vinted ou autre avec des pages coloriées. Je ne suis pas fanat de ce genre de truc. Et je trouve qu'ils sont déjà pas très chers et très bien. Donc voilà. 12,95 €. Moi j'ai trouvé ça dans un. D'ailleurs, je me suis abîmée là derrière et débilité avec un feutre, mais c'est pas grave. Hein. On s'en fout du derrière. Le plus important, c'est dedans comment c'est colorié. Et c'est vraiment. Ils disent de faire au crayon à couleur. Moi, je fais au feutre à colle. Je vais. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment. Je commence, hein, je fais quelques pages. Voilà, par exemple, ce que ça peut donner. J'ai pas fini celui-là. Hein. J'ai un peu dépassé pour certaines choses. En utilisant vraiment le blender et tout ça, ça dépasse un peu le feutre alcool. Mais après, je rattrape avec d'autres couleurs. Voilà. J'essaie de donner quelques effets. Là, j'en ai, c'est un peu. On sait que c'est fait au feutre alcool parce que c'est un peu
colorier dessus, mais je vais rattraper. J'essaie de vous montrer ça du mieux possible. Il faut savoir que la plupart de mes coloriages, à part certains où je peux vous le dire, des fois je fais un mélange de feutre alcool. J'utilise autant d'ailleurs pour un dessin là, j'ai utilisé autant les Copix que les Mona Lisa, certaines couleurs. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo où je vais vous dire tout ce que j'ai comme alcohol markers. Je l'ai en anglais. Comme feutre alcool. Je vais vous faire ce genre de vidéo. Je vais tous vous les dire. Mais là, honnêtement, des fois, je mélange. Voilà. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et là, j'ai mélangé plein de feutre alcool de marque pour faire celui-là. Voilà, je ne vais pas en montrer 36 000 parce que sinon on en a pour un moment. Et quand je vous dis que je commence, c'est que je commence. Lui, il n'est pas fini du tout. Lui non plus. D'ailleurs, je voulais refaire des effets sur celui-là. Lui, je me suis amusée. Voilà. Donc voilà pour toi, Dac Régol et pour Liz. Et il est facilement trouvable. Ensuite, vous avez des petits comme ça. Moi, j'avais fait des feutres basiques. J'ai fait des feutres alcool. C'est un millimélo là-dedans. Vraiment. Je ne suis pas très crème couleur. Un autre, où quand je vous dis que ça traverse, mais moi je trouve ça mignon, c'est celui-là. Alors ça a traversé là. Je me suis mis carrément un petit autocollant. Voilà ce qu'on peut faire. Alors ceux-là, c'est les Joanna Basford. Et on peut vraiment... là j'avais commencé mais j'ai pas fait d'effet encore, je vais faire des effets donc voilà, là j'ai voulu faire sans trop d'effets, juste colorier comme ça. Bon, ça se voit au travers, mais de ce côté là je peux aussi peindre pour que ça soit de l'autre travers, et moi je trouve ça des fois super joli. Alors vous allez peut-être pas bien voir vous, parce que ça va faire très très foncé, mais là vous avez un côté où on voit derrière ce que c'est et c'est super beau. Après, il faut faire attention aux couleurs et ça fait un peu caché. Moi, je le trouve magnifique. Voilà. Donc, c'est Jungle Magic. Magique. Jungle Magic. La Maison des Secrets. J'ai commencé, hein, mais je l'ai pas. Je l'ai à peine commencé, lui. La plupart de les tout petits valent vraiment pas cher. Hein. J'en ai 2-3. C'est ça, c'est même pas 5 euros. Voilà. Ceux-là, je suis plutôt à 13 euros 12,90. Voilà. Pour les... Vous pouvez les trouver encore sur Vinted et tout, mais je suis pas fan. Là, j'en ai un. 12,90 euros. Un autre. Forêt enchantée. Là-dedans, c'est carrément un jeu. On peut retrouver des clés ou autre. Dans l'autre, là aussi, il me semble, la Maison des Secrets. Vous avez des clés à chercher à chaque espace. Voilà. Celui-là, Jardin Secret de Jana Bassoir. C'est l'édition originale des 10 ans. Il vaut un peu plus cher, il me semble. Non, 12,90 euros aussi. Et il est très bien. Il est très beau. 30 jours pour créer comme Joanna Bensworth. Lui, je vais un peu plus le regarder parce que c'est 30 jours, c'est un défi. Et je voulais attendre avant de me mettre dedans. Mais je pense que je vous en ferai des vidéos. Ensuite, un que j'ai trouvé dans ma librairie qui n'est pas très loin de chez moi, vraiment. C'est Mandala Nature. Alors là, les Mandala Nature... C'est à part les premiers, on a le blanc derrière, donc c'est très pratique. Pas ceux de Joanna Bensworth. Et on a devant des dessins, mais franchement, waouh. Lui, je l'ai à peine commencé, donc je ne vais pas vous montrer. Et celui qui m'a le plus plu, mais je me suis amusée à chercher les couleurs, c'est celui-là. Je vais m'en chercher d'autres, je vais craquer. Tuez-moi. Vraiment, je vais craquer. C'est les coloriages mystères. Alors, je ne suis pas très fanat de Disney. Stitch encore. Donc, je n'irai pas vers eux. Mais là, j'ai pris énergie et divination. C'est un truc, c'est un délire. Il faut être fan. Mais c'est un délire à faire. Et vraiment, là, ce que j'ai fait... Parce que pour les autres, je vous dis, je mélange. Et ce que j'ai fait pour lui, c'est que j'ai... Comme ça me permettra pour vous, dans une autre vidéo... de vous faire des exemples de comment marchent certains feutres. D'ailleurs, il faudrait que je fasse ça avec certains feutres. Et donc là, par exemple, vous avez les graphites.
Voilà quel effet ça peut donner. Il faut savoir que j'ai pas choisi non plus la meilleure couleur pour le foncé, mais j'ai pas voulu refaire et je me suis dit en clair comme ça, ça donne pas mal aussi. Parce qu'il faut vraiment essayer de trouver les couleurs qui vont le mieux. Je vous donne juste un autre exemple, hein, parce que comme ça, là, celui-là, par exemple, je me suis amusée. Alors, vu que c'est au feutre à colle et que c'est un peu transparent, que ça passe derrière, et que j'ai pas non plus fait 36 000 couches de feutre à colle, on voit un peu les chiffres, on voit un peu au travers, mais c'est un test. Et je voulais vraiment le faire assez léger, même si on voit les informations. Là, par exemple, j'ai fait différents marqueurs. Mélangé différents marqueurs pour celui-là. Voilà, c'est un exemple. Là, il y a par exemple beaucoup plus foncé. On voit un peu les traces là en haut que j'ai fait pour les étoiles. Même là, en bas, c'est les OU. Et c'était vraiment pour les marquer, mais je trouve que ça donne un effet. Donc voilà, je n'irai pas plus loin parce que je veux faire pour plusieurs feutres à colle et vous le montrer, me servir de ça pour vous montrer des exemples dans une vidéo pour vous montrer les différences vraiment qu'il y a avec les feutres à colle que j'ai. I have more. Alcohol au marquage. If you are here on this moment, si vous êtes là en ce moment, d'accord? You can put a comment if my English is so perfect or not. You can put subtitle if you know why I say this. Regardez les autres vidéos, vous comprendrez, surtout une en particulier. Et vous pouvez me mettre quel livre de coloriage vous aimeriez avoir. Et vous pouvez me mettre combien vous pensez de marques de feutre à alcool que j'ai, combien de feutre à alcool que j'ai. Je n'ai pas compté le nombre de feutre à alcool, mais je crois que je... Voilà, vous pouvez mettre. J'ai d'autres livres de coloriage, mais je préférerais vous les montrer à d'autres moments. Voilà, j'en ai un autre que j'utilise, des feutres simples avec, parce que j'ai pas envie que ça passe à travers. Même si c'est joli que ça passe à travers. Et en fait, je l'ai commencé avec d'autres feutres plus basiques, parce qu'à un moment donné, je pouvais pas utiliser des feutres alcool pour divers sons. Donc, j'ai commencé avec des feutres basiques. Donc, je verrai pour celui-là si je switch en feutre alcool ou pas pour un de mes livres. Mais en gros, si vous êtes arrivé jusque-là, mettez subtitle, si vous savez de quoi je parle. You know. Et mettez-moi combien de marques de feutre alcool j'ai. Et mettez ce que vous pensez de mon anglais et tout ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je pense que je vais réellement, vu comment je suis lancée, je vais vraiment vous parler de mes feutres alcool là maintenant. Parce que je pense que je ne vais pas acheter d'autres feutres alcool. Et que je vais essayer certains feutres alcool devant vous. I think. Je pense. Ne mettons pas les... N'allons pas trop loin. Hein. On verra si ça marche ou pas. Si je pute... I pute. Non, pute. I can. Parce que pute, c'est maître. Can, can't, c'est pouvoir. I can't, je ne peux pas. I can, je peux. J'essaie de vous apprendre un peu l'anglais et j'apprends moi aussi. Donc, pensez au pouce bleu. Pensez à vous abonner. Thank you for your subtitle. Ça m'aide. Je parle pas de l'aspect financier, moi. Ça me met en joie et ça me motive à vous faire des vidéos. Voilà. Et à trouver des idées XY. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dac rigole. Merci pour tout. Et j'espère qu'un jour, je verrai une vidéo de toi avec le livre des pentacles. Mandala, si t'es jusque-là, s'il te plaît, Dac rigole. Je serais même prête à te l'offrir. D'accord? Mets-moi dans les commentaires, je serais même prête à t'en offrir un pour juste voir faire une vidéo avec ça et essayer. Je te parle pas de marqueur à alcool, je te parle juste d'essayer de faire des pentacles, des mandalas pentacles. Voilà, je serais capable de t'en envoyer un. Sinon, dis-moi. Allez, ciao, merci à toi Dac rigole et merci à d'autres. Je vous dis à très bientôt. Ciao.